Je m'appelle Patrick Schweitzer, je suis au TL depuis le 1er avril 2005. Je m'entraîne au short track, j'ai la chance d'être avec deux jeunes qui vont aller au JOJ. Donc c'est super motivant pour moi d'avoir un coach professionnel et des jeunes qui m'aident à repousser mes limites. J'ai commencé le short track il y a 2 ans. Donc moi c'est un sport que j'ai toujours bien aimé, j'ai regardé à la télé quand il y avait des championnats du monde ou des Jeux Olympiques, donc le peu qu'on pouvait voir à la télé, j'ai toujours aimé bien aimé ce sport. Le short track c'est du patinage de vitesse, donc ça se fait dans une patinoire comme on joue au hockey. On tourne sur un anneau de 111 mètres, donc il y a des blocs qui délimitent notre trajectoire. On part à 7 coureurs. Et puis c'est une course vraiment à la place, donc ça veut dire que c'est les deux premiers qui sont qualifiés pour passer au tour suivant. C'est juste mettre aux ordres de stabilité. Alors dans le cadre de mon travail comme conducteur OM1, j'aurai la chance de transporter tous les athlètes donc depuis le site où ils dorment, donc c'est vers les PFL à Sorges. Ils vont aller sur les différents sites de compétition. Donc nous, on va les transporter en plus du public et puis aussi sur la place où il y aura la remise des médailles qui est au Flon à Lausanne. Donc les TL vont être beaucoup sollicités pour transporter toutes ces personnes. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la conduite, la relation avec les clients. On est aussi un petit groupe, donc on s'entend tous bien entre les collègues, et puis c'est vraiment sympa. Un des objectifs du club, c'était de former un jeune et une jeune pour les JOJ qui sont en janvier 2020. Et puis ça, c'est cool parce que c'est quelque chose qui est atteint. Donc depuis 2 jours, on sait que Thibaut et Alexia, c'est les deux jaunes, ils sont qualifiés pour les JOJ. Donc c'est génial pour le club et pour les jeunes. C'est vraiment un super truc qui va se passer pour eux.